Mardi 20 février 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la CAO, mais principal point qu'a gain pour faire essentiel journal là pour jeudi mardi. Commission interministérielle qui gagne mission pour accompagner marchands qui perdent commerciaux dans le marché en fait intervenir hier sur ensemble disposition qu'a mettre en place pour capable accompagner marchands victimes. Sanon Michel, lui, c'est non moun qui t'a la cause d'y fait éclater dans marché million dimanche passé à, d'après première information qui permettent la police prioriser thèse accident d'après directeur départemental OSPNH là, Berson Seljour, Seljour plutôt. Directeur régional Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes a présenté excuses ONG britannique là, by peuple haïtien face à scandale sexuel, ancien directeur ONG en commettre dans le pays. Plusieurs jeunes mobilisés dans le pays, les États-Unis, pour demander responsables politiques prendre les mesures nécessaires pour capable contrôler les affaires vendues armes dans le pays, les États-Unis. Ensemble, pour savoir qu'un pilote a bien pour faire essentiel le journal là pour jeudi mardi, on peut vite arrêter brancher chez nous, on peut tourner dans un petit moment, tant pis pas déplacer. Merci parce que toujours été branché Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans le développement information. Responsable centre national équipement mobilisé plusieurs techniciens et matériel hier lundi 19 février dans l'idée pour déblayer espace marché du port qui trouvait tout près douane qui était boulé dimanche 18 février passé. Un membre qui chargé pour restreindre et renforcer CNE Kenton lui souhaitait pour la police et la justice faire travailler comme ça doit dans cadre enquête qui l'ouvrir. N'a pas vite suivi un extrait. CNE, c'est Centre National des Équipements. Le fait que son institution qui gagne équipement là-dedans, même si on est présent dans la caravane un peu partout à travers le pays, notre travail, CNE a été une mission pour que nous présents, tout côté le devoir de servir, faire appel avec nous. Ça fait deux marchés qui boulaient dans plus, dans moins qu'une semaine. Et nous connaissons deux espaces, c'est deux espaces côté que peuple haïtien. Côté que petit peuple là nous capable dit et fait activité économique yo fait roulement économique yo et c'est ça qui permet yo payer l'école petit yo payer le loyer yo la justice élève une nation et faut gagner responsabilité qui prend de la police nationale faut gagner responsabilité qui prend de la justice pour que nous capable effectivement identifier OK identifier raison valable qui fait marcher nous appeler des brûlés. L'autre information dans le journal là, bon côté Payo, magistrat Port-au-Prince, Yuri Chevry, avec délégué départemental l'Ouestland, Joseph Pierre Richard Duplan, déploré du fait qu'il prend dans le marché du Poland, si tout Guillaume Moune qui mourit dans le fait si là. Délégué Duplan fait connaître sous question du fait ça, la police a questionné plusieurs monnaies qui suspectent dans Axila. Magistrat Chevry promet pour renforcer sécurité dans le marché, une façon pour capable éviter les actes. Si là, on a pu vite suivre un extrait dans mes collaborateurs de Roosevelt des Rosiers. Et en pile perte, surtout financier, et on perd de vie tout. Et parce que son gros perte non seulement pour commune, mais pour pays en général, parce que ça sont. Tous les deux marchés, ça c'est des deux gros marchés. C'est côté en pile l'argent brassé chaque jour. En pile monde, c'est de, à partir de marché ça au vivre. Son gros perte pour ni commune dans ni pays. Moi, présence CNE là, vous pouvez expliquer nous pour qui ça? C'est présence et tout équipement qui peut permettre que démolir partie marché qui boule là pour gérer la sécurité, reste monde qui vend dans le marché là. Pour ne pas permettre l'autre accident arriver à partir de. Et marché ça qui pas solide encore, on a mis la terre, on a démoli et puis on a retiré remblé et tout ça pour nous permettre que non seulement que douane sécurise tête li, et puis pour nous garder qui ça nous va faire dans le futur. Il y a petit du feu qui est en bas qui était sur le service pompier là, je dis là, on a essayé nous pas craser et structurant de façon que nous ca bien arroser à terre que et danger ça qui était présenté là qui a complètement terminé avec. Parce que pas oublier Mounio c'est équipe petite machine qui prend gros point là. Et pour y a pas de gros bénéfices, le bénéfice que fait c'est pour payer pour y a. Et nous, que le monde n'a perdu tout à voile comme ça. Le cas d'incendie, surtout l'incendie ça, qui c'est un incendie que peut-être qui causait pas erreur et monde marché. Je pense que il crée peine, il baille la peine, mais
et nous pensons que c'est l'ensemble qui peut repenser la structure marché. Parce que le monde qui a l'argent à investir comme ça, il faut qu'il soit en sécurité et il faut qu'il y ait moyen tout pour l'État qui a pour responsabilité pour les pompiers qui viennent pour faire des manches pour éteindre du feu aussi rapidement que possible. Parce que nous voyons que tout alentour du marché, ça, il y a une équipe Eto qui mettait là, qui barre l'espace là. Et même pour eux-mêmes, tout les passifs. Nous pensons qu'il faut que nous repensions ça, il faut que nous repensions comment on a fait marcher, il faut que nous repensions comment on a quitté Mounio, largué pour que tu aies investi l'argent pour que tu aies perdu en une journée. Marcher avec sécurité, c'est normal. Et c'est que fait qu'il y a des gens qui ont un cas d'enquête. Directeur marché en direct de CPJ jeudi, chef sécurité en TBGL et tout. Et de façon que vous avez une explication, vous avez exactement qui fait réel du feu ça dérapé. Si au cas que c'est en main, et criminels qui causent du feu, mais moi garantis ça, moi très clair sur ça, moi garantis que l'État frappe la terre, n'a commencé à freiner le vagabondage. Ça. Sanou Michel, c'est nous présumé moun qui ta la cause difficile à éclater dans marché Mignon dimanche passé à, d'après première information qui ta permet la police prioriser thèse accident, c'est déclaration directeur départemental l'Ouest PNH la Berson Soulijour. Le directeur départemental l'Ouest la dit li souhaité PNH la tête coulée avec l'autre instance concernée au population formation à un sous-comportement et réaction yo doué gagner les gagnants difficiles qui éclatent. N'a pas vite suivi un extrait dans le micro d'Aline Doriska avec Moïse Wilbridge. Le départ de feu a commencé à partir de un boss qui tape soudé. Et c'est Ndakadi Sanon Michel Louis, qui est fait en 1958, qui est originaire de Jacmel, qui tape soudé dans shop Madame Pouchon, qui est situé au numéro 61 de la route du quai. Donc ça, nous clairement, nous identifions, nous avons des informations et la police, dans le niveau direction départementale l'Ouest, précisément sous commissaire de Bicentenaire, procédait à interpellation ligne et encore une fois, DCPJ, comme mission que la loi a conférée, l'y terrain sous les lieux et nous remettre l'y prévenu ça. Donc actuellement, enquête là, l'a continuée par la DCPJ, mais comme responsable de l'Ouest, nous déjà à penser à garder avec autorité qui disposition qui capable prend pour éviter de pareil cas à répéter. Mais nous connaissons dans le pays d'Haïti, nous sommes un pays qui pas riche parce que ça. Donc, un paquet de priorités, santé, éducation, etc. Mais ça tout aussi important. Dans l'occasion de la 33e conférence le lundi de la presse qui déroulait le ministère de la Communication, il recevait hier lundi 19 février la commission interministérielle qui gagne mission pour accompagner marchandises qui perdent des marchandises dans le marché en fer. Membre de la commission ont profité par les soins de disposition capable de mettre en place pour capable accompagner marchandises victimes. On a invité au suivant compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Lord Ali Jean-Jacques. Dresser liste marchand victime yo dans l'idée pour bay au moyen l'argent ka permettre yo faire face à responsabilité yo, c'est un objectif commission interministérielle là qui gain pour accompagner marchand qui perdit marchandise yo dans difé qui éclaté dans marché en fer. Commission ça qui gain là-dedans représentant ministère commerce et industrie, ministère affaires sociales et travail, office national assurance vieillesse, caisse assistance sociale, ministère conditions femmes et droits femmes a intervenu dans deux niveaux. Intervention nous l'a fait à deux niveaux, au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, une fois que nous fin fait que nous commencer avec recensement mais l'islam pas marchand victime li pas exhaustive, n'a gain pour une bail ou allocation. Et en même temps, au niveau du ministère du Commerce, une brigade qui sur les lieux, qui au niveau marché, qui a fait ou évaluation pour nous déterminer le niveau perte et pour nous capable de faire un bilan chiffré de perte. Et sur cette base, une fois que nous finissons faire bilan ça, nous sommes capables d'accompagner les marchands qui sont des petits, qui sont des micro-entrepreneurs, et pour nous aider yo échafauder ça ou plan d'affaires et référer yo à ou institution financière de la place telle que FDI ou bien ONA pour yo capable joindre ou aide suffisante
pour yo capable reprendre activité yo. Ministère Affaires sociales nous mettait tout en branle depuis le président a lancé commission hein. Tout yon staff pour aller connait joindre qui possibilité pour nous gagner au moins monde qui victime yo marchand yo femme con garçon pour nous gagner tout nifio avec carte d'identification nationale parce que c'est l'état nous qui gens pour nous bailo assistance c'est pour nous identifier et identifier en tant que citoyen. De ce fait nous joignent des listes qui donc gain Digicel que nous connaît qui gain une liste exhaustive qui gain environ 542 marchands mais liste Digicel là malheureusement n'est pas gain NIF avec SIN. Alors c'est comme ça équipe technique nous de concert avec équipe technique condition féminine et ministère commerce là et nous dans marché hein, nous en contact direct avec des marchands que nous connaît qui perdu des marchandises yo ça veut dire en contact yon ak l'autre nous commencer recenser en pile marchand avec nifio signo pour à partir de l'ONA à partir de CAS pour nous ca rapidement bayo en certaine allocation responsable ONA ak CAS expliquer yo pare pour jouer payo pour accompagner et puis porter assistance ba marchand yo l'ONA dans le cadre de la journée comme institution, et que nous pensons que Jean-Ministre au début, ça fait tout le monde mal, parce que en majeure partie, c'est femmes. Et nous connaissons que l'ONA, il penchait en pile sous femmes, sous ces machins, à travers le programme ONA Femmes. Donc nous sommes censés nous interpeller, et ça fait nous vraiment mal jusqu'aux os. Et nous pensons participer et nous participer selon instruction gouvernement et même commission. Nous-mêmes dans CAS, nous avons une rubrique qui c'est œuvre sociale. Ça fait moi indiquer rubrique là, c'est pour me capable souligner que intervention que nous allons faire pas déranger bénéficiaire nous allocataire mensuel là. Allocataire mensuel yo a toujours joindre frère correctement. Li pas déranger employé yo. Employé yo a joindre salaire correctement. C'est dans la rubrique œuvre sociale là, côté que c'est un corps qui est disponible pour nous porter assistance nous by tout le monde qui en a besoin. Et déjà, le ministre des Affaires sociales là, autant de fois que lui instruit nous, lui voit et lui sur banon, nous même n'a pas échec. Même commission dit, il a mobilisé, il a travaillé pour porter réponse à la situation pendant qu'il remercie marchand qui collaborait. Président Commission éthique et anticorruption Sénat République, sénateur Yuri La Tortue réagit sous publication dans le journal Le Moniteur. Résolution Sénat a adopté dans la semaine qui passée pour demander Cour supérieure des comptes contentieux administratifs enquêter sous dépenses Fonds Petro-Caribéa sorti l'année 2008 pour arriver l'année 2016. Selon le parlementaire Latibonitlan, dossier ça pas fini. Commission éthique l'a dirigé après aller continuer à garder comment l'argent. Font ça, t'es dépensé dans le pays de suivre. Ça étonne, puisque si au monde justement t'es concerné dans le dossier, moi je crois que eh bien, c'est lumière qui peut faire. C'est pas rejeté pour rejeter le dossier parce que vous voulez de forme. C'est lumière qui peut faire. Et c'est là ça nous vient. Il faut que la bataille continue parce que tout le monde qui est content que vous rejetez le dossier, soit pour la forme ou bien pour la majorité de Bruxelles, il a dit qu'on est dans le fond, il y a des barrières à reprocher. Donc, dans ce sens, moi, je dis que séance, nous avons condamné pour la forme, puisque séance là, nous connaissons que nous avons annoncé pour mardi, il fait jeudi et le commissaire n'est pas là. Donc, il y a un pile dérive, nous croyons que nous avons déjà dit au niveau séance là. Mais au niveau de fond, justement, le dossier Petro-Caribéa, le l'été lancé, et que moi-même, j'ai lancé l'enquête là, m'a dit tout le monde, que année nous t'ai lancé là t'ai gain président de cour des comptes là qui t'ai gon équipe qui t'a travaillé sur Petro-Caribéa dans BMPAD et président t'ai metté en contact avec équipe ça et tout travail que m'ai fait pendant année c'est avec équipe cour des comptes là donc je dis à cour des comptes déjà lui-même et travaille sur dossier ça et tout rapport que nous t'ai baillé yo t'ai parti de éléments communs que commission te gagne avec cour des comptes. Donc n'a dit tout le monde que c'est peut-être on perd de temps, c'est peut-être on dilatoire, mais les mêmes documents que nous t'ai utilisé, ces documents ça yo
que le coup des comptes a gagné en commission qui était dans BM Pat qui tape travail et sur le Petro-Caribé de 2008 à 2016. Donc, rapport coup des comptes 2013-2014, 2014-2015, c'est son même document ça ou d'un rapport ça yo que le coup des comptes adressé à Sénat, yo gagné les mêmes éléments encore là-dedans. Donc, c'est pour nous dire tout le monde. Quand on dit la droite pour dossier à petit temps, mais dossier à l'IGN, tout élément qui l'a, et dossier ça, yo, cour des comptes qui a réagi sous directeur général pour qu'on arrête de débat de quitus, mais Sénat a toujours réagi, surtout l'ancien ministre et tribunaux de droit commun. Donc, moi, quoi que je dis, la bataille là, la continue. N'a pas toujours été au niveau parlement ici. Pour une fois qu'on a un président chambre et député à Garibodo confirmé, bureau chambre député a recevoir un correspondant senior groupe député qui signe pour demander bureau à fixer une date pour capable interpeller ministre de justice là et dit fortuné. D'après député Boudo, c'est conférence président Yokap gain pour décider sous question si là. N'a pas vite suivi un extrait dans le micro. Fait venir confident avec Moïse Wilbridge. Faut que autorité municipal yo redoubler d'efforts pour capable sécuriser marché yo. Donc marché yo pas sous compte gouvernement central là, yo pas sous compte pouvoir législatif là. Donc moi pense en pile fois et mairie yo toujours plein que la question fonds communaux, fonds collectivités, gros ensemble de problèmes qui posé, mais là yo gen occasion pour prendre responsabilité yo pour yo capable sécuriser marché yo parce que m'a regardé ça qui passé là dans marché en fer là encore hier tout. Il y a un pile effort fait là pour nous être capable d'éteindre du feu ça. Donc ça c'est un débat qui est récurrent dans le pays. Donc il faut commencer à dire nous tout qui côté nous aller comme société. Donc pour nous doter pays de non seulement un service pompier qui là qui bien équipé par côté nous, qui bien équipé, qui a des matériels, qui a qui prend entraînement pour ça, qui a des bouches d'incendie, tout ça qui est disponible pour nous capable de joindre l'eau pour éteindre du feu ça. Mais c'est résoudre le problème dans tout en amont. Donc, c'est inconcevable tout en dans le pays. Question marché, son bail qui gère, comme c'est Mdazo, de manière politique, qui mérite là, qui directeur marché, est-ce qu'il prête? Des fois, c'est des gens, et ça va nouvelle pour personne. C'est des gens qui ont des amis, mais des fois, qui ont fait la loi dans le marché. Donc, même pas ces autorités municipales. Yo. Faut prendre responsabilité yo. La police nationale faut prendre responsabilité yo. Li inconcevable même pour balien d'un pays y a regardé qui sa président a dit, sa président sénat a dit, sa président chambre député a dit. Donc nous procédure yo respectée. Donc il y a effectivement une lettre qui a été acheminée auprès du bureau pour demander interpellation ministre de justice là, mais ça aurait été mieux selon les coutumes que les députés ont fait ça au cours d'une séance, mais bon, malheureusement, c'est écrit ou écrit. La Constitution, son article 222, bon, c'est l'éclair. Et cette lettre sera acheminée dès cet après-midi au niveau de la conférence des présidents pour que nous fixions date pour séance interpellation. On est noté dans le carnaval, puis l'activité culturelle dans le pays. Et il y a une autre activité tout professionnelle. Pas oublier que dans le week-end, la Chambre des députés a fait une séance pendant le carnaval, a fait un atelier, une séance de travail qui a duré pratiquement 4 jours pour que un ensemble de projets de loi exécutif là, voyez, bah, nous, dans la dernière session, dans l'agenda législatif et commune a fait pour l'année 2017 là, qui n'a pas fini de voter. Donc nous avons statué sur eux. Donc semaine, ça a eu un pile projet de loi. Nous allons voter pendant toute semaine. Non? Donc, c'est à la conférence des présidents de décider qui leur a mis en date pour que le ministre de la Justice réponde avec interpellation. Donc, la Constitution est claire. Donc, nous sommes tenus et pour nous respecter la loi. Donc, moi, je n'ai aucune opinion sur la question. Donc, dès qu'il y a interpellation, il y a interpellateur. Donc, nous avons regardé. La Constitution a besoin de 60 députés. Leur interpeller le ministre pour capable balon motion de censure. Donc nous allons regarder comment ça a déroulé, mais nous-mêmes, quant à nous, au niveau du bureau, nous saisissons deux questions. Et seul ça nous pour nous faire, c'est soumettre la conférence des présidents pour que nous fixions date. Donc nous n'avons aucune opinion. S'il a tombé, s'il n'a pas tombé, ce n'est pas travail par nous. Nous sommes le président de la Chambre, nous au-dessus de la mêlée. Donc nous allons regarder pour nous.
L'autre information dans le journal, la déléguée départementale Niplan Givar Labé fait connaître pendant le passage caravane changement dans la région Niplan. Il y a un pile travail qui est déjà réalisé. Givar Labé félicite le président Jovenel Moïse pour le matériel qui déjà adjoint directeur départemental TPTC. Ça qui peut faciliter le travail à aller plus rapide. Délégué départemental Niplan Givar Labé croit grâce avec l'équipement ça y est, caravane pral continue de rouler plus bien dans le département Niplan. C'est un gouvernement qui a travaillé, c'est un président qui a fait promesse et c'est un président qui a transformé, converti promesse en action. Il est venu avec ça, il a promis et même plus pour permettre que lui aider nous sortir dans sa nouille. Nous connaissons un président qui a travaillé pour faire interconnexion communale, départementale, qui pour permettre petits paysans qui n'ont pas reculé, capables de vivre, gens tout le monde est capable de vivre. Et fait petit choual dans n'importe plus belle l'école, dans plus grande l'école. Parce que nous connaissons un monde qui a vécu dans une situation non point reculée. Donc parfois, c'est à même le sol, et si mon yoshita n'a pas même couverture côté à l'école. Pour qui ça? Parce que pas de moyens de transportation, pas d'infrastructure routière pour que tout le monde soit capable de déplacer. Mais je dis, avec caravane changement, et nous en pile percé grand en fait. Je ne connais pas ce qu'on est Baradère. Il a parlé de Fontortion, côté qui n'a pas de route du tout. Mais je dis, il prend quelques minutes pour que nous Fontortion pour descendre dans le centre-ville Baradère. Hier, moi j'étais Baradère, moi-même personnellement. Je regarde le parcours Baradère avec Cavaillon. Donc, il prend moins qu'une heure pour me sortir Baradère, pour me arriver dans le centre-ville Cavaillon. Donc, c'est pour me dire que ça, c'est un espoir réel. Ce n'est pas un rêve qui a fait dormir. C'est un monde qui vient travailler, qui vient poser des actions concrètes qui pour sortir la population nipoise et la population dans chaque département. Parce que caravane, ce n'est pas seulement dans Nip, c'est dans tout département. Et nous sommes capables d'essayer. C'est tout le monde qui a loué l'effort gouvernemental, qui a loué l'effort président Jovenel avec tout le gouvernement l'a fait pour permettre que chaque département, chaque direction départementale travaux publics, bénéficie des engins lourds qui pour permettre que non seulement ils utilisent pour nettoyer, pour propter, mais aussi pour entrer dans la caravane pour faire sa présidente et pour mettre le peuple là. Il prend le connecter pour le bailler possibilité pour denrées qui arrivent, pour petit qui a sorti à l'école, pour les gens qui sont malades, qui habitent pour être sous brancard, il y a un moyen de transportation pour sortir dans le coin. Plusieurs commissariats de police dans la région métropolitaine Port-au-Prince de Mariac processus enregistrement motocyclette. Taxi, motocyclette, plusieurs chauffeurs taxi, moto déjà bénéficié yon gilet accueil, yon casse. Chauffeur yon applaudi initiative. Si là, on a prévu suivre le compte rendu avec Sainte-Croix Paris et puis Michel Joseph. Chauffeur taxi, moto sa yo qui bénéficie yon gilet, yon casse avec yon numéro pour identifier yo gratis, a permettre service circulation, mettre plus contrôle sur trafic moto a, et puis régulariser secteur ça. Chauffeur applaudit initiative ça, yo pense qu'a permettre passagers yo gagner plus confiance les yo monter yon moto, surtout exact méchanceté l'autre chauffeur qu'on habitué faire sur moto yo. Jean Ofel là yo prend et en point tout, ni main gauche ni main droite tout, l'index. Après ça, yo fait l'autre processus, yo mande deux personnes de référence avec numéro de téléphone si jamais que tu as un problème pour être capable utiliser relais mono quel que soit Jean ça est là. Si vous avez un problème, il y a aide. Par exemple, si vous avez un accident, l'État prend un numéro, ça que là, l'enregistre commissariat, lui suppose ouais, non seulement moun ou te baye comme deux personnes de référence à tout numéro de téléphone, il y a carré les moun ça qui c'est pas on pour dire ou faire un accident ou dans tel l'hôpital et au même tout. Ils vont venir dans l'hôpital là pour être capable de protéger. Si papier moto est correct, et puis permis est correct, et puis dans le film, ils ont enregistré ni moto, ils ont enregistré moto, ils ont enregistré même, ils ont enregistré gilet. Après ça, c'est gratis. C'est vraiment important parce que l'État est venu gilet avec ça. Parce que dans tout le pays, ils ont ce domaine. Tout le monde est gilet, tout le monde est gassé, l'état de baillon. Et si l'acheter moto, non légalisé, il y a nous faire permis, nous faire assurance, mais l'état suppose nous encourager nous-mêmes, parce que l'état n'est pas dans la moto. Un autre groupe chauffeur taxi moto souhaitait autorité concernée passer l'autre formelle pour exiger
chauffeur moto yo, pareil yo, entre dans même logique là, qui visait mettre structure dans le secteur. Parce que si on a moto, l'État m'a de bouger gilet, pour gagner plaque, pour gagner casse, et yoba nous la tout cas son good. Son good, yoba nous. Mais pour qui ça va le mettre sous? Gen nèg moto, prend, yo serre la caillou. Parce que yoba bon. Mais pour qui ça nous tout nèg moto? Léo te dit. Il y a pas gilet pour quoi nous tout fait manifestation nous te dit nous pas parler d'elle mais qu'on est au bas nous le gratis on a d'elle gien nèg moto qui prend qui serrele qui va même mettre même y a brelé nous machine pas d'ap et gien nèg moto même qu'après les machine pas machine la pour là est-ce que moi gien gilet sous moi et yo gien yo pas le mettre yo coupable ça fait moi gien gilet parce que la police t'a décidé bail gilet plus qu'elle décide bail gilet nous même nous prend ça au sérieux, il y a des gilets. Mais ça me donne pour la police prendre une décision sévère. Il y a des messieurs qui ont des gilets, ils ne peuvent pas les mettre. C'est pour passer dans la station, pour joindre les gens qui ont des gilets, les gens qui n'ont pas de gilets. Si moi-même, je les mets, l'autre là supposé mettre pas là tout. Après ça m'a senti me blaser parce que c'est pas rap bagage pour me mettre. Il m'a enregistré comme ça droit dans le système là. On va priver dans commissariat, on va joindre enregistré. Non seulement yo bail nous un petit carte. Nous enregistré, on va joindre nous prénom, adresse tout bail là dedans. Yo prend prête nous tout bail. C'est plateforme taxi moto d'Haïti en collaboration avec commissariat police avec mairie qui prend initiative pour régulariser secteur ça. Autorité police nationale yo mandé pour tout chauffeur taxi moto passer retirer casque avec gilet yo dans commissariat concerné yo une façon pour yo pas tomber en bas section la loi. Nous venons un moment pour nous aller dans l'actualité internationale là pour nous faire connaître un directeur régional Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes présenter excuses ONG britannique là bah peuple haïtien face avec excès scandale sexuel ancien directeur ONG te commettre en Haïti n'a pas vite suivi en haut compte rendu avec Euronews. L'ONG britannique Oxfam a présenté ses excuses au peuple haïtien pour les dérives sexuelles de certains de ses employés. Simon Tyser, directeur régional d'Oxfam pour l'Amérique latine et les Caraïbes, a exprimé sa honte hier à Viole Florent, ministre haïtien de la planification et de la coopération externe. Les directeurs d'Oxfam pour l'international, Winnie Byanyima, et pour la Grande-Bretagne, Mark Goldring, devraient à leur tour rencontrer les autorités haïtiennes. Mark Goldring doit s'expliquer aujourd'hui sur ce scandale devant une commission parlementaire britannique à Londres. Dans ce rapport interne sur les dérives de la mission humanitaire déployée en Haïti après le séisme meurtrier de 2010, l'ancien directeur d'Oxfam en Haïti, le Belge Roland Van Overmeren, a notamment reconnu avoir eu des rapports tarifés avec de jeunes femmes. « C'est absolument horrible », a réagi la première ministre britannique Theresa May. Les autorités haïtiennes ont annoncé la semaine dernière vouloir mener leur propre enquête. N'a pas toujours été une actualité nationale là pour nous aller plus près, pour nous faire connaître. Plusieurs jeunes mobilisés dans le pays des États-Unis pour demander responsables politiques dans le pays des États-Unis prendre les mesures qui sont nécessaires pour capable contrôler les affaires de Vanzam dans le pays. Si là, n'a pas vite suivi un reportage. Des dizaines de jeunes étendus à même le sol devant les grilles de la Maison Blanche. Image forte à Washington ce lundi, 5 jours après la fusillade qui a fait 17 morts et une quinzaine de blessés dans un lycée de Floride, dans le sud-est des États-Unis. Comme à chaque fois dans pareilles circonstances, le débat sur le contrôle des armes à feu refait surface. Après la tuerie dans le lycée, avec mon ami Whitney, on a décidé qu'il fallait agir. Les politiciens disent toujours qu'ils sont désolés pour les victimes et leurs familles, mais ils ne font rien, alors qu'il est nécessaire de faire quelque chose. L'auteur présumé de la fusillade, qui a été inculpé pour meurtre avec préméditation, a comparu devant un tribunal de Fort Lauderdale pour une brève audience. Nicolas Cruz, âgé de 19 ans, avait été renvoyé du lycée de Parkland, où il a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique. Il a pu se procurer cette arme alors que son comportement violent avait été signalé. Donald Trump souhaite que les casiers judiciaires des acheteurs d'armes à feu soient systématiquement vérifiés. En Floride, où les enterrements des victimes se succèdent, leurs camarades se mobilisent. La semaine dernière, les élèves de ce lycée avaient les mêmes préoccupations que tous les jeunes de leur âge. Leur examen, leur rendez-vous amoureux et leur compétition sportive. Et maintenant, beaucoup d'entre eux sont devenus les meilleurs avocats pour le contrôle des armes à feu. Reporting from Parkland, Florida, Tammy Leitner, NBC News or Euronews. C'est avec la dernière information ça que je n'en la cabane pour jeudi. Juste avant d'aller, nous allons prendre un point qui était fait essentiel.
Commission interministérielle qui a une mission pour accompagner marchands qui perdent du commerce dans le marché en fer intervenu hier sous ensemble disposition qu'a mis en place pour accompagner marchands victimes. Sa nom Michel, lui, c'est non présumé moun qui t'a la cause d'y fait éclater dans le marché million dimanche passé à d'après première information qui permet à la police prioriser tes accidents d'après directeur départemental l'Ouest PNAS la Berson Solijour. Directeur régional Oxfam pour Amérique latine et Caraïbes a présenté excuses aux ONG britanniques là par peuple haïtien face à un scandale sexuel ancien directeur ONG en Haïti a commis. Plusieurs jeunes mobilisés dans le pays des États-Unis pour demander aux responsables politiques de prendre les mesures nécessaires pour contrôler les affaires vendues armes dans le pays des États-Unis. Voilà, c'est un simple point ça qui te fait essentiel. Le journal là pour matin, nous sommes contents ensemble avec vous. Nous avons souhaité tout le monde passer une excellente journée de mardi. Nous avons rendez-vous demain pour une nouvelle sortie téléjournal là. Et nous avons souhaité tout le monde rester branché à la télévision État puisque l'information après poursuivre.